Salut à tous et bienvenue dans un... Tu veux ouvrir le vlog avec maman? Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi. Il est 9h30. Je n'ai pas vu Logan ni hier ni avant-hier. Warren est là et collé à maman. C'est compliqué. Parce qu'en fait c'est compliqué en ce moment avec Aaron. Il ne veut plus dormir dans son lit. Voilà. Donc du coup bah c'est très compliqué pour l'endormir et ensuite au milieu de la nuit vers 1h généralement il se réveille en hurlant, minuit, 1h, 2h, ça dépend. Et impossible de le rendormir dans son lit, il finit dans notre lit pour qu'on puisse dormir. Du coup voilà, excusez-moi, j'aurais pas d'éternuer plus ce matin. Ça m'a pris d'un coup au petit déjeuner. Alors soit c'est parce que j'ai fait un gâteau avec de l'huile de coco, mais je pense pas être allergique à l'huile de coco, enfin, je vois pas... Du coup j'aurais pas éternué. Bref, aujourd'hui Aaron ne va pas à la crèche, il ira demain. Donc aujourd'hui il est avec moi toute la journée. Le truc c'est que comme il ne veut plus faire dans son lit, bah, il veut plus faire de sieste en fait, tout simplement. Il est fatigué mais il va pas aller dormir. Donc là j'ai tout ouvert en haut pour aérer pendant que je range un coin en bas. Ensuite on va monter, on va fermer en haut, je vais ouvrir en bas. Et puis lui je vais l'occuper quoi. Mais j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire, c'est ça qui est compliqué. Je dois bah, toute ma vaisselle, Julien va aller voir cet après-midi pour un mini lave-vaisselle. Vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé, c'est vrai que pour dépanner, genre pour mettre la vaisselle du soir que j'ai pas le temps de faire, c'est toujours pas mal. Parce que là c'est la vaisselle d'hier soir qui traîne, j'avais fait toute notre vaisselle à nous. Et ensuite bah aux petits et au repas etc. Et là il reste par exemple les deux assiettes d'hier soir avec là où j'avais fait le riz et... là où j'avais mis la purée, enfin bref, tous les trucs comme ça que finalement à 23h bah, vous avez pas la foi pour aller faire la vaisselle quoi. Donc voilà, faut que je fasse la vaisselle. Je suis déçue parce qu'il avait un petit ballon et il se dispute tout le temps avec Alyssa pour ce ballon là. Et du coup je sais qu'il veut trop jouer avec, je me dis ça aurait pu bien l'occuper. Et impossible de remettre la main sur ce ballon, à moins que ce soit dans le garage, je sais pas, impossible, je ne sais pas. Bref, voilà voilà. Donc le programme de la journée est très très simple. Comme d'habitude, cet après-midi Julien va aller voir pour le mini lave-vaisselle quand il rentre du boulot. Et il va aller voir aussi pour peut-être les... Je vous mettrai là, au cas où il y a des petites oreilles qui passent par là. Donc voilà, parce que du coup on l'a toujours pas fait. C'est dans pas longtemps, hein. On est quoi, on est le 12 je crois. Il ne reste pas il reste pas beaucoup de temps. Donc on n'a rien fait du tout, zéro nada de personne. Donc il faut que je m'en occupe absolument aussi pour les autres. Enfin, voilà, il y a beaucoup 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 de choses à faire. Mais le temps est compliqué, Aaron ne voulant plus faire de sieste. Il est collé à moi, donc hier après-midi sa sieste il l'a fait dans mes bras sur le canapé. Donc bah, pendant 2 heures je suis restée avec lui à l'angerie sans bouger. Donc voilà, un peu compliqué. Je vous laissais, j'ai le nez pris, ça m'énerve, ça va se calmer mais ça m'énerve. Donc voilà. Aujourd'hui j'ai prévu... Oui, Aaron avec moi. J'ai prévu de vous présenter une recette de madeleine et on va la faire maintenant. Moi, on me fait des bisous. J'utilise mon robot par pur souci de rapidité, praticité. Vous pouvez faire exactement les mêmes proportions à la main. C'est ce que je faisais avant, il n'y avait aucun problème. Donc, en fait, moi, je mélange tout dans mon robot. Il vous faudra 120 g de beurre mou, 125 g pardon, de beurre mou, 3 œufs à température ambiante. 130 g de sucre, 150 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café d'arôme vanille, moi je la mets pas, et voilà. Moi je vais rajouter je pense un petit peu de poudre d'amande, ah oui chérie, donc je vais peut-être un petit peu enlever de farine, donc je vais peut-être mettre 130 g de farine et 20 g de poudre d'amande. Voilà, donc je mets tous mes ingrédients dans mon bol mixeur et je vous montre ce que ça donne. Du coup voilà tous les ingrédients dans ma cuve. J'ai fait une bêtise, j'ai pas remplacé la farine. J'ai mis 150 g de farine. Et du coup j'ai mis à vue d'œil de la noisette en fait finalement. De la poudre de noisette, j'ai dû en mettre à mon avis 30 g facile. Donc là je vais mixer tout ça. Donc voilà la première fournée. Je vous ai même pas montré ma pâte. Donc ma pâte mélangée ça donne ça. Tout simplement. Donc je sais pas encore combien je vais en faire. Je vais vous dire ça, je vais mettre de côté. Et je vais continuer mes fournées. Voilà. Et voilà le résultat des madeleines aux noisettes. Ça fait plus penser à des petits cakes en fait, des mini cakes au niveau de l'aspect, plutôt qu'à des madeleines que vous voyez par exemple en... Je vous en ouvrirai, que vous achetez. Ouais, elles sont très bonnes. Hein. Oui,
Donc voilà, je suis en train de refaire une fournée pour Aaron sans noisettes. Je vous montrerai la recette et le résultat. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les cartes? Tu vas ranger les cartes, s'il te plaît? Et oui. Voilà, moi je dois aller ranger tout le bazar d'Aaron qui m'a mis au large. Voilà, voilà. Je m'occupe de tout ça. Bon, allez, à tout à l'heure. Coucou. Je vous prends, je crois que je vous ai pas encore beaucoup pris aujourd'hui. Il est 5h30. Je suis en train de faire le repas de ce soir. Julien est rentré. Il a été faire le tour pour trouver un mini lave-vaisselle. Il était à Géant Casino et l'autre dépôt d'Arty. Il n'y en avait pas. D'Arty, il y en a, mais sur commande. Donc voilà, j'en ai vu un à la Fnac. C'est 8 couverts. Donc là, ça me tenterait pas mal. Donc on va voir. On réfléchit pour voir si on peut le commander ou si on réserve au magasin ou quoi. On voit. Du coup, il a pris un petit peu Aaron pour l'emmener jouer dehors, pour le fatiguer, pour qu'il dorme ce soir. Ensuite, il a été chercher Alissa au soutien à 5h moins le quart. Là, ils viennent de rentrer, ils ont joué dans le jardin. Il est en train de leur faire le bain. Et moi, du coup, je fais mon petit repas du soir. Voilà. Avec toute ma vaisselle. On croit que je la fais jamais, ma vaisselle. Mais là, tout était nickel. Hein. Tout était nickel d'après le goûter. Et en fait, il y a le robot que j'ai utilisé pour hacher l'échalote, l'ail. Le petit bol où j'ai mis ma viande que j'ai du malaxer. Enfin, vous voyez, la planche à découper, voilà, il y a toujours plein de trucs. Les cafés qu'on a bu, enfin voilà. C'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. Donc là, j'ai mis... En fait, je voulais faire une recette de bébé pulpeuse, les aubergines fondantes. Sauf qu'en fait, j'avais deux aubergines. Et il y en a une qui était pourrie à l'intérieur. Du coup, j'en avais plus qu'une. Donc je suis en train de la faire au four comme dans sa recette à elle. Ensuite, comme ça, je vais récupérer la pulpe. Et je suis en train de faire, moi, des... boulettes de viande en fait, tout simplement, avec de la viande hachée, échalote, ail, persil. Donc je suis en train de faire ça. Ensuite je mettrai les aubergines fondantes, enfin les aubergines cuites au fond en fait de ma viande hachée, avec des petites tomates pelées que j'aurais écrasées parce qu'en fait mon robot est déjà à l'eau, donc je vais les hacher comme ça sera très très bien. Voilà, vous verrez peut-être mieux. Là j'ai ma petite viande et ensuite je mettrai en fait au fond mon aubergine avec mes petites tomates pelées. Donc c'est celle-ci que j'ai pris et je vais faire revenir ça. Là je vais faire cuire un peu de riz et pour le repas de ce soir ce sera juste parfait. Voilà, j'ai l'impression que je passe mon temps à cuisiner, mais bon, c'est moi qui le veux bien, hein. C'est moi qui me suis lancée dans les goûters maison, c'est moi qui me suis lancée des repas quasiment tout maison. Enfin voilà, c'est un choix. Faut que ce soir je fasse ma liste de courses pour demain, puisque demain Aaron est à la crèche, Alissa à l'école, à la cantine. Donc demain je vais faire mes courses. Enfin, je pense que je vais aller chez Lidl et je vais prendre le temps de faire des bonnes courses, faire des bons menus pour la semaine, enfin voilà, des bons trucs. Light, etc. Mais des bonnes qualités, quoi, des matières premières, entre guillemets, acheter bons produits. Voilà, j'ai monté mon vlog de demain. Aujourd'hui il n'y a pas eu de vlog parce que je n'ai pas eu la force ni le temps hier de le faire avec Aaron, c'était compliqué. Du coup, j'avais Aaron et Alissa hier, c'était mercredi. Donc là j'ai pris le temps quand Julien est sorti, j'ai monté mon vlog de demain. Donc là il est en train de sourire sur YouTube, c'est parfait aussi. Et je vais essayer, si j'y pense, de mettre des titres à mes vlogs. Sabrina, si tu passes par là, on discute beaucoup sur Instagram. Et puis du coup, elle m'a dit que ça serait pas mal de mettre des titres. Julien me l'avait déjà dit aussi. Et en fait, j'en mets pas parce que je ne sais pas quel titre mettre. Mais je vais faire des trucs très très bateaux. Et comme ça, voilà, vous saurez en fait si vous l'avez vu ou pas. C'est surtout ça, parce que c'est vrai que vous ne savez plus si vous les avez vus ou pas. Voilà, donc je vous laisse et je continue mon petit repas. Je vous dis à tout à l'heure. Du coup voilà, j'ai mis toutes mes boulettes avec mes aubergines fondantes d'un côté et là mes tomates concassées que j'ai coupées avant au préalable. Et je vais tout mélanger, je vais faire cuire ça, je sais pas, peut-être une dizaine de minutes pendant que le riz est en train de cuire de ce côté là. Et voilà, ça va être tout bon. Bonjour, bon je vous prends un peu tard, aujourd'hui on est vendredi, il fait super froid parce que j'ai tout ouvert, tout fermé. Je ferme toutes les fenêtres de la maison. Il doit faire je sais pas combien. Je vais vous dire ça. 14 degrés. Tu m'étonnes que tu cailles, Farah. Donc je vais... Oh mon dieu. En fait, j'ai défait mes courses chez Lidl. J'ai fait mon retour de course. Je viens de le monter. Là, ça va être l'heure de manger parce que Julien, dès qu'il rentre, on part. Faire les... Voilà, je vous note, on sait jamais. C'est des petites oreilles.
Donc voilà, là, je suis en train de tout refermer et du coup rouvrir les radiateurs. Voilà, 14 degrés. Je me disais, purée, j'ai froid. Mais allez. J'ai dû laisser ouvert au moins 2 heures, voire un peu plus. Mais pour combattre les microbes, il n'y a pas mieux. Hein, bah, pourquoi il est encore chaud? Je comprends rien à ce radiateur. Je l'avais éteint. Je comprends rien au radiateur d'Aaron. Oh, mais froid. Donc du coup... le programme de la journée ce matin, c'était les courses. Donc je me suis motivée, j'ai été chez Lidl et... j'ai fait mon plein de courses. Et cet après-midi, avec Julien, on va faire donc les... Voilà. Donc... donc on va faire ça tous les deux, on récupère Alice à 4h, ensuite on récupère Aaron à la crèche directement, et ensuite on va faire le goûter en fait chez nos copains. Voilà. On va faire le goûter chez nos copains, donc voilà. Qui dit retour de course dit que j'ai dû vider dans mes plaques, dans mon frigo un peu tout ce qui traînait. Donc j'ai pas fait ma vaisselle encore, je suis pas sûre d'avoir le temps de la faire. Pour ce midi, j'ai pris quelque chose qui est pas très bon pour la santé. Une pizza 4 fromages, mais c'est juste un gain de temps en fait. Je savais que j'aurais pas le temps et j'ai bien fait d'anticiper parce qu'il est midi 30. Julien finit à 13h, il mange un sandwich sur la route en rentrant. Il me récupère et on va faire tous nos achats, donc faut vraiment qu'on se dépêche. Donc voilà, là je viens d'allumer mon petit four. Ouh, je suis gelée. Quoi que je me dise, si il faut que je fasse ma vaisselle maintenant, en même temps ça sera très très bien. Pour achat-toi de son oeil. Ouais, elle se cuit en 5-6 minutes, c'est très bien. Très très bien. Je suis gelée. Je suis folle. Bref, du coup, je vais vous laisser. J'ai fait quoi de mon téléphone? Là-bas. Du coup, je vais vous laisser. J'attends que ma vidéo s'enregistre pour que je puisse l'envoyer sur YouTube. Et je vais aller faire la vaisselle à l'eau bien chaude, histoire de bien me réchauffer parce que je suis gelée. Je crois que vous l'auriez compris. Si vous avez vu mon retour de course, vous avez vu, j'ai acheté un grippin. Donc je suis toute contente, il est tout beau. Voilà, il est là. Faut que je réorganise tout parce qu'on n'a pas beaucoup de place ici. Mais voilà, je suis bien contente. Donc je vous laisse et je vais faire tout ce que j'ai à faire. A tout à l'heure. Bon, il est 1h10. J'ai fini de manger. J'ai goûté les pommes bio là. Trop bonnes. Vous les aurez vues dans mon retour de course. Je trouve que les pommes bio ont meilleur goût que les pommes classiques en fait. J'en avais jamais acheté avant la semaine dernière, mais maintenant c'est bon, c'est validé déjà qu'à la base. Je m'étais dit que c'était meilleur pour la santé, mais alors là, trop bonne. Donc voilà, je me suis régalée avec ma petite pomme. Je viens de finir ma vaisselle. Maintenant, je vais aller m'habiller plus chaudement. Enfin, je vais voir comment je fais. Parce que je suis pas sûre qu'on ait le temps de rentrer tout à l'heure. En fait, je pense qu'on va faire nos courses et qu'on va rentrer. Ça va être l'heure d'aller chercher Alissa. Donc, je pense pas qu'on va repasser à la maison. Donc, je vais préparer un petit sac pour mettre, par exemple, le biberon d'Aaron, etc. Pour qu'il ait de quoi boire chez nos copains, quoique même eux ils ont ce qu'il faut, donc voilà, je vais voir. Je suis fatiguée, je suis naze, parce qu'en fait j'ai pas arrêté, mais il faut être efficace, faut que je garde ma force, parce qu'il va falloir que je réfléchisse au cadeau, donc voilà. Bref, je vais aller me changer, et je vous dis à tout à l'heure.